Tout sourit à Michel Larocque, bientôt à l'affiche de la première série française de Paramount Plus intitulée Tout pour Agnès. Si l'Amérique lui tend les bras, il reste désormais à l'actrice de 63 ans de conquérir le Royaume-Uni, un pays que sa mère Doina semble beaucoup apprécier. En effet, dans un extrait de conversation partagé par sa fille, Doina Trandabur révèle regarder tous les événements se déroulant à la cour d'Angleterre. Une déclaration accompagnée d'une adorable photo d'elle, portant un chapeau aux couleurs de l'Union Jack. Ce dernier ne la quitte pas, tandis qu'elle visionne ses cérémonies royales, comme le premier discours du nouveau roi Charles III. Il lui a aussi servi pendant un autre moment, plus intime. La mère de celle qui tenait l'un des rôles principaux de ténor de Claude Zidi l'année dernière explique que c'est aussi le chapeau du baptême de sa fille. Ce à quoi Michel Larocque rétorque, tu l'amortis bien. Un beau moment de complicité mère-fille, que l'actrice n'a pas pu s'empêcher de poster. J'aime tellement cet échange avec ma mother que je ne résiste pas à l'envie de le poster. Raconte-t-elle à ses fans. Ceux-ci semblent ravis, s'amusant de l'intelligence économique de Doina et félicitant les deux femmes pour leur amour qu'ils trouvent magnifique. Doina Trandabur, le sosie de Michel Larocque. Ce n'est pas la première fois que l'ancienne compagne de François Baroin affiche sa mère sur ses réseaux sociaux. Alors qu'elle était en tournage de la série Tout pour Agnès, centrée sur l'affaire Agnès Leroux, sa mère Doina était venue sur le plateau pour assister aux prises de vue. Blagueuse à ce propos, l'ancienne humoriste ironisait, « Ma mère supervise le tournage, avec un cliché de celle qui a fui la Roumanie à 23 ans. » Un casque vissé sur les oreilles et le regard concentré, Doina Trandabur ne manquait pas une miette du spectacle. Article écrit en collaboration avec C-Media. Crédit photo, Bruno Bébert. I just need